Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Black Myth Wukong. Bon bah écoutez, on va essayer d'avancer un petit peu. Alors des petites nouveautés quant à l'enregistrement. En fait, mon PC était vieillissant et j'ai décidé de tester GeForce Now sur un mois, voir un peu ce que ça donne. Et bah ma foi, pour l'instant, c'est vraiment très sympa. Ça fonctionne bien, c'est un petit coût, hein, c'est un petit prix. On est dans les 20€ le mois. Bon, je pense que ça dépendra des jeux auxquels je jouerai, tout bêtement. Mais c'est vrai que pour un jeu comme celui-ci, si on compare au prix d'un PC flambant neuf, et ben, ouais, j'ai largement le temps de pouvoir amortir tout bêtement le coût de l'abonnement, sans compter le fait que d'ici un ou deux ans, s'il faut de nouveau changer, bah oui, ils se mettront à jour. Donc c'est assez intéressant si ça se met à bien marcher. Et pour l'instant ça marche assez bien, hein. Je suis très fin, le jeu est très fin je trouve. On est en 4K, on est en 60 FPS, j'ai tout mis à fond. Je pense, hein, sans vouloir me tromper. Au niveau des graphismes, évidemment maintenant cette fois-ci on a enfin le ray tracing, même si... Bon, le ray tracing c'est très sympa lorsqu'on regarde dans les détails, et maintenant je suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça sur le reste. Bref, des petits changements aussi au niveau du farm. J'ai été récupérer donc l'armure complète ici. Armure qui nous permet donc à l'intérieur de mirage brumeux, le vent noir enveloppant attaque continuellement les ennemis à proximité du prédestiné et du leur. Donc ça fonctionne pas trop mal. Là-dessus, j'ai rajouté des boosts de dégâts au niveau de l'avancement. C'est où? C'est ici. Des boosts pour que le leurre soit plus solide, des boosts pour que le leurre attaque en même temps, et des boosts pour que la frappe que je donnerai pour sortir du mode fantôme, en fait, cumule des chances de coup critique. Et ce, jusqu'à 10 fois, donc c'est intéressant quand même. Maintenant, voilà, j'aurais voulu aussi tester Solid Comarok, hein, qui avait l'air très sympa. Augmente les dégâts du déclencheur d'attaque après une déviation réussie. Ça aussi, c'était bien, hein, en fait. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, sans compter que ça joue vraiment sur notre armure. Armure qui est plus puissante que les autres, là, cette fois-ci, donc... C'est assez complexe. Bref, on va se lancer. Je vais peut-être profiter de ça justement pour l'utiliser. Ouais. Vous voyez là, regardez. Ça fait des gros dégâts quand même. T'es bien chiant toi. Effectivement, maintenant on est vraiment en 60 fps, même plus. Hein. Je pense que je peux mettre plus. Je sais pas si j'avais mis les paramètres sur du 60. Après, ça risque d'être trop fluide, peut-être. Oh. Je t'avais pas eu du tout, toi. On va revenir avec cette histoire de 60. Pire, je vais le mettre à 120.
je sais pas. De toute façon, mon écran ne peut pas afficher plus de 60, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Même si, bon, il paraît, selon certains, que on verrait un peu mieux, effectivement, la fluidité des choses. Voilà, bien raté. Peut-être pas que je commence à regarder parce que là, je fais n'importe quoi. Je regarde pas les persos. On avait un autre, ah oui, ici. Là, sincèrement, hein, si j'enlève le ray tracing, pour le coup, je trouve que le jeu est plus net en fait. Hein. Ouais, il faudra redémarrer de toute façon. Si tu me fais, t'es pas en train de redémarrer, petit jeu. Je les entends. Mais je sais pas où il est. Il crache, non? Là-haut? Non, mais alors là, ça plante. Ouais, bah, j'aurais pas dû toucher à ça maintenant. Parce que là, ça lag. Ah, ça a mieux. Alors, ce qui lag aussi, hein, c'est ma connexion internet potentiellement. Hein. Je suis passé sur une connexion fibre qui est plus intéressante, donc logiquement, ça devrait marcher, mais est-ce que ça marche tout le temps, à n'importe quel moment? Est-ce que ça marche très bien à chaque fois? Je ne sais pas. Bon, allez, on se lance. On a fait la zone ici. Il blablaté. Ah, pourtant, je fais... Bon, quand même. Ah, on les voit pas, c'est un truc de fou. Le jeu a tellement de détails que finalement on voit pas si bien que ça les mobs. Mais bon, il est permissif. Donc c'est très bien. Pas plus de magie, moi. C'est bien mes super trucs, mais... là. Pierre de dégrisement, c'est quoi déjà?
Parce que ça, c'est un objet important, effectivement. Une pierre à l'odeur de nauséabond, parfaite pour dégriser un cochon ivre. Ah, il y avait ça aussi que je voulais essayer. J'ai récupéré des sortes de masques qui me permettent de retourner dans certaines zones pour pouvoir ouvrir des portes. Ouais, je vais pas avancer très vite. J'aurais pas dû changer ce RTX, ça marche très mal maintenant. Oh là, il y a du monde. Voyons. Des noyaux, c'est bien, ça va me permettre de booster faire quelques constructions. J'ai quoi là? Rien du tout, hein. Une simple porte, c'est étrange. Ils gardaient quoi eux? Au final. C'est étrange, c'est juste venir là pour ça. Ce coffre. Tout nettoyer ici. Il va falloir aller voir là où il y a le cheval, là, mais ça m'embête un peu. Je m'en assure pas, mi-cheval. C'est plus la même. Tout ce petit monde, mais ici j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Est-ce que je vais tomber ou pas? Non. Putain, je les vois pas du tout, quoi. C'est un truc de fou. C'est un peu but. Ah là. Ça va les gars, là, tranquille? Arrange pas ça, moi. Wow. Ils viennent tous en plus. Ah ouais, c'est mort.
Je vais me tirer parce que là j'ai plus rien. Ici on peut pas descendre. Hop 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 hop. Si vous pouvez venir un par un, ça serait bien. Je dirais pas non, mais j'ai déjà plus de potions. J'ai plus de vie là, faut que je revienne avec mon. Ah si, remarquez. Les attaquer comme ça. Tombe pas, mon ami. Allez, c'est parti. Eh bah c'est quand tu veux. Et t'as le droit de taper en fait. Super, j'ai pas pu en placer hein. Ah j'ai pas pu en placer hein, bon bah. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont attaqué tout ça et les en même temps, c'est vrai que ça m'a bloqué, mais enfin je pouvais même pas partir, je pouvais pas bouger. J'ai été m'enfermer dans un coin là, un peu dommage. Et c'est pas grave. Je voulais revenir en arrière de toute façon. Et je voulais aller voir si je peux pas ouvrir la porte qu'il y a derrière avec le boss d'avant en fait. Parce que là le jeu lag, mais je ne crois pas que ce soit GeForce Now, c'est juste dû au fait que je suis passé comme ça de RTX à pas RTX. Un petit peu pendu. Il n'a pas aimé. Logiquement, j'ai récupéré des masques. Et ces masques-là doivent pouvoir ouvrir les. Ça semble servir de clé, quoi. On va voir. Et ici, il y a ça. Requiert rigueur de la pierre, mais je l'ai, non ? Du tigre. Déverrouiller un mécanisme particulier, mais il faut peut-être d'abord rigueur de la pierre, oui, qui me servirait effectivement pour pouvoir entrer. Bon bah non. C'est étrange pourtant. Il y avait encore un autre endroit pour pouvoir les récupérer, enfin ouvrir ces portes là. Là où j'avais tué le fils et le père, là. Enfin d'ailleurs que son fils. Les pères rats, là, les ratons, les ragondins. Je sais pas s'ils sont loin ou pas. Je vais aller voir tout de suite. Et je finirai la vidéo là-dessus, je pense. C'est là, non ? Une graine de fleur de jade parfumée. Ne dites pas que j'étais pas venu là. Ça servira à quoi ça ? Ouais, vraiment.
vraiment il déconne. Hein. je vous assure que j'ai essayé de le faire tourner. Wow, wow, wow. Je suis pas venu là. Non, non, non. Bah, j'ai bien fait. Par contre, qu'est-ce que j'ai là? Ah, bah, c'est bon ça. Pilule, nodule, nonuple, céleste. Remède céleste, une pilule miraculeuse infinie par le seigneur Lao du palais Chutushika. Augmente fortement l'endurance max. Hey! Hey, c'est bon ça! J'ai très très bien fait. Effectivement, on peut toujours moindre des points dans l'endurance, c'est intéressant, mais ce genre de pilule va complètement augmenter l'endurance comparativement à nos pauvres petits points. Et j'avais récupéré aussi, j'ai pu acheter, c'était en vente, un objet pour pouvoir augmenter encore une fois mon endurance. C'était l'endu, je crois. Hein. Dans mes souvenirs, le voici. Ouais, l'endurance max augmente considérablement l'endurance max et c'est vrai que ça marche bien. Et par contre... en arrière j'aurais pu juste faire un TP en fait hein. Par où fallait aller là derrière ce... je suis en là, moi j'aurais pas dû il semble voir s'ouvrir de l'autre côté. Bah oui, je pense que ça doit être ça en plus ce que j'ai pu récupérer. Ouais, ça marche mieux. Faut s'approcher tout de même. Si on rajoute à ça les dégâts que font l'attaque de libération, ça marche bien, ça fait des gros dégâts quand même. Maintenant il faudrait plus de mana. Ah ouais non mais je sais plus où je suis moi. C'était là je crois, hein, c'est ça. Ça va juste m'ouvrir la porte en fait. Requiert rigueur de la pierre. Bah non je l'ai toujours pas en plus. Quel boulet. Bon bah écoutez c'est pas grave, je vais refaire un TP. On va s'arrêter ici, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. C'était pas glorieux comme épisode, mais écoutez, il y a eu tellement d'épisodes où on a été attaqué de tous les bords, que cette fois-ci ça va changer un peu. Par où il fallait que j'aille, bon, je sais plus. Ça marche du tonnerre comme ça. Bon, je crois que c'était par là. Hein. La pierre était dans le coin. Et voilà. On va se reposer et je vous dis à bientôt. Au revoir.